écoutez, c'est parti pour une petite partie en badger, le tier 10 TD anglais. Voilà, donc particularité très très lent, bon blindage. On va pas dire que c'est un excellent blindage, mais c'est un bon blindage. Par contre, dès que vous laissez le bas de caisse, voilà, c'est compliqué. On va dire ça comme ça. Par contre, très très fort DPM, dégâts par minute, vraiment important. Alors, et ben du coup, on va aller dans le couloir là-bas des lourds. Particularité aussi de mon install, j'ai essayé un nouveau mode qui est Wargaming Essentiel, qu'on trouve sur le Whatnet. Donc c'est l'endroit où sont centralisés tous les modes et packs de modes qui sont validés par World of Tanks. Donc tout ce que vous voyez là, c'est validé par Watt, hein. Il n'y a aucun problème. Donc j'ai enlevé par exemple les nuages pour que ce soit plus... comment ? Fluide au niveau de mon PC. Vous allez voir, j'ai quelques petits trucs supplémentaires et ça permet quand même d'être plus léger au niveau de l'install, on va dire. Voilà. Alors tout de suite, bah, on va passer là-bas au bout avec le STB1. Voilà. Let's go. Hop, je suis spot par le Manticore qui est là-haut. Voilà, on va se rendre directement de l'autre côté là-bas. Donc là, on a un IS-7 et un 60 TP. Bon, jusque là ça devrait aller. Faites attention, ils sont très forts tous les deux au niveau de la tourelle. On va essayer de s'en sortir quand même. Alors, du coup. Ok, l'IS-7 est là-haut. 60 TP, est-ce qu'il va pousser ou pas à votre avis? Ouais, je pense que oui. Donc on va redescendre sur lui tout de suite. J'emporte Wiggled uniquement. Oula. Salut Loulou. On va le traquer. Voilà. Il sait pas où me viser. Donc c'est pas un super bon joueur, j'ai l'impression. On va le retrack. Juste pour l'emmerder. Ouais, ok, c'est bon. Ouais, on va le farmer. Une fois que j'aurai bien trouvé la bonne position avec mon char, il est mort. Hein. Faut juste. Voilà, là je suis bien. Je suis pas mal. Hop, bon, je le mets à côté. Là, il commence à se demander. Il tourne la tourelle en reculant. Ok. Voilà, 476, c'est très bien. Là, voilà, j'ai le bon angle. Impeccable. Hop. Parfait. Et voilà, regardez tout ce qu'on aime. Hein. Alors on va le pousser un petit peu. Tout ce qu'on aime. C'est-à-dire que le mec, en plus de ne pas savoir ce qu'il fait, mais il va emmerder les autres en fait. Et regardez bien, ça va pas. De toute façon, ça va pas faire de pli. Alors voilà, je me prends l'arty forcément, mais regardez-le. Voilà, allez. Voilà. Voilà. Voilà, super conquérant. The King. Aïe, 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 aïe. Il y en a, on se demande vraiment pourquoi ils sont là en fait. Et là il va se mettre de flanc, alors qu'il y a le léopard qui est sur le côté. Voilà. Mais regardez, voilà. Et voilà. Artie sleep, donc en train de dire... Ah, les artis dorment, tuer le Minotauro qui est en haut. Évidemment. C'est de la faute des Artas. Bon, bah là, maintenant, vous allez voir, c'est le grand gameplay du Badger. Donc, on a 2000 de dégâts, on n'a fait aucun. Comment ? On n'a pas perdu beaucoup de PV pour l'instant. Et là, bah, on voit que mon équipe est un peu en difficulté au niveau du nord. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais garder la maison.
pas grand chose à faire pour l'instant. Noga, si je joue bien, devrait pouvoir se relocaliser au-dessus, ici, normalement, sans problème. On va rester là quand même au cas où. J'ai pas l'impression qu'il va se passer grand chose. On essaie de rester vivant et de bouger un peu le curseur pour pas s'endormir. Va falloir, de toute façon, aller vite à réagir rapidement parce que s'il y en a un qui traverse là, ça va falloir être vif sur le clic. Ah bah voilà, il suffisait de le dire. Allez, en moins. Ciao ciao. Oh, j'ai du monde derrière moi quand même. Hein. Ah, si j'étais, je viendrais où je suis, dans cette zone-là. Par rapport au placement de cartes, on voit qu'ils peuvent pas aller au nord. Ils vont se dire au sud, on est isolé là, de FPT-57. Donc là, ça va être certainement, normalement. Devrait être une vraie possibilité pour eux d'attaquer. Je mets pas trop loin de la sortie pour pouvoir reculer derrière la butte au cas où. En même temps, jette un petit coup d'œil à... Ah, ouh. Le Manticore qui sort le T57 IV qui a piqué. Voilà. Et là, je peux me faire avoir dans le fion par le Minotaur ici. Et je peux me faire counter ici. Donc là, je vois que je suis esselé. Je préfère me relock un tout petit peu. Coucher l'arbre qui est là pour essayer d'avoir un peu plus de... Comment je pourrais dire? De... Pas de couverture, mais si jamais je dois me planquer derrière un buisson ou quoi, on ne sait jamais. Et on va se retourner de l'autre côté pour voir un peu ce qui se passe. Et là, horreur malheur, j'ai un léopard devant, le STB1 et le petit léger qui est dans mon cul là, qui va m'allumer. Et là, je vais en prendre plein la pampe. Voilà, le petit light qui arrive là juste derrière. Et là, voilà, le Manticore qui arrive pas à me percer. L'Arta qui m'a aidé sur lui. Et là derrière, les copains, ils sont juste derrière. On va essayer d'aller sur lui, là déjà, hop, lui il sort, le léopard. Le Manticore a été sorti derrière moi par le 705A. Et reste le STB1 qui est là. Et je suis à 3005, et là j'ai un gros DPM, je vais m'amuser. Donc ici, hop, paf, il a pris 1030, dans mon avis, du FV. Et derrière, je le finis, je dis merci quand même. Merci les gars, super aide. 3500 de dégâts. Et je rebouffe la cliqueuse, forcément. Quatre kills. Et c'est pas fini, parce que maintenant... Restent nos copines. Et comme on les aime, nos petites copines, on va aller les voir, voilà. Elles sont où, les petites poulettes? Elles doivent être dans le fond, hein. Oh bah le minot est parti de l'autre côté. Il est descendu ici au niveau du chemin, le Minotaur. Donc plus de risque, plus de danger pour moi. On va aller sur les coquines. Les petites coquinoutes là-bas. On va aller leur faire un petit coucou. Voilà. Jeu d'attente, jeu de badger. Gameplay très très lent. 23 km/h. Vous voyez, ici. C'est long, très très long à jouer comme chat. Mais bon. À
Après, c'est pas un char qui est difficile en soi. Pas super compliqué à jouer. On va faire un petit blind shot après, un petit tir à l'aveugle dans la ligne qui est juste en face. Elles sont souvent là-bas dans le coin, là dans le fond. Voilà. Là, si on n'est pas à droite, non, on ne tirait pas. Donc elles doivent être là-bas. J'en place une dans le vide. Ah, il y en a une là. Salut Gisèle. Allez hop. Oh, petite pour la route. Hop là. A plus dans le bus. Hop là. Elle doit m'attendre sur la gauche alors du coup. Coucou louloute. Ah bah elle est là-haut. Ah tu me l'as collé quand même. 353, c'est vilain ça hein. Allez hein. Tchou. Et les résultats de la bataille. Donc forcément, la master, la médaille de Pascucci pour avoir tué deux artis. Et la Top Gun pour avoir tué 6 ennemis. Donc 4568 de dégâts, 2280 de bloqués et 1834 d'assist sur les chars ennemis. Ce qui nous place au niveau du score de l'équipe, bah premier avec 1341 points d'expérience. Voilà. On a perdu 25 000 crédits forcément. Hein. On a spammé quelques gold, 8 je crois en tout, dans la partie. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.